Donc un micro. Hein. 86 morts, 434 blessés, hommes, femmes, enfants, de toute nationalité, je crois que c'est 19 nationalités, toute confession religieuse. Donc je crois que chacun, qu'il soit niçois ou pas, se rappelle, c'est comme le 11 septembre 2001, chacun se rappelle à quel endroit il était ce jour-là. Le 14 juillet 2007. Et donc, toi, Vincent, tu étais. Ben, j'étais à Nice. Comment ça s'est passé pour toi ce... Alors, là, tu veux que je commence à dire. Voilà. Raconter, bon, alors. Tu nous racontes comment toi, en tant que journaliste. Ben, moi, j'étais alors, à Nice. Tu vas chercher un ami à l'aéroport. Oui, tu voilà. Tu reviens sur Nice. Et alors là. Voilà, donc je reviens de l'aéroport, effectivement, vers 11h moins le quart à peu près, j'habite rue, dans le centre-ville, pas très loin de 10 étoiles, et je vois des gens courir, affolés, je me dis, putain c'est bizarre, un 14 juillet à 10, ça ne s'amène pas comme ça avec des gens qui courent pour rentrer chez eux à 11h du soir. Et quelqu'un me dit un attentat, donc bon, je me dis que comme je travaille pour le collabore avec l'AFP à Nice, il faut que j'aille sur les lieux de l'attentat, donc je sais que les gens en viennent de la promenade. Et donc je pose les bagages de la personne donc, que j'étais allé chercher à l'aéroport. D'ailleurs ce soir-là, de manière pas prémonitoire, mais il y avait un bagage abandonné à l'aéroport. Et que les services de sécurité ont fait sauter devant l'aéroport et donc ça a retardé pas mal de personnes en fait. Ils avaient bouclé l'aéroport ce soir-là. Quand je raconte ça, c'est une parenthèse. Et pas mal de personnes qui auraient dû arriver plus tôt finalement ont échappé à l'attentat. Moi j'y vais, j'appelle le bureau de Marseille, puisque je travaille pour l'AFP. Le bureau de Nice de l'AFP dépend de Marseille, qui lui-même dépend de Paris. Voilà, la grande France Presse est organisé comme ça, et donc je pars sur la zone, et donc voilà, je pars de chez moi, et j'arrive d'abord place Masséna. Alors peut-être vous étiez peut-être niçois, j'imagine, avant de partir, vous étiez peut-être sur place aussi. Et place Masséna, bon, c'était l'affolement général, la police, les gendarmes commençaient à boucler en fait la zone. Donc moi j'ai passé par la ville de Verdun et finalement j'ai réussi, après quelques péripéties que je raconte dans le livre, mais je ne vais pas tout vous dire maintenant, ce ne sera pas intéressant. J'arrive finalement au palais de la Méditerranée, en passant par un immeuble, grâce à une concierge, etc., parce que la zone était bouclée et la police mettait en joue tout le monde, quoi, y compris les journalistes. Tout le monde. Et donc j'arrive finalement, il devait être 11h15. J'arrive au palais de la Méditerranée et là, c'est ce que je raconte dans le livre, je vois le camion devant le palais de la Méditerranée avec un type sur le siège passager en fait. Donc j'étais gêné de côté en fait, parce que j'arrive par le palais de la Méditerranée, le camion était devant. Et je vois ce type sur le siège passager, courbé comme ça en avant. Et bon, là, c'est l'image qui m'a vraiment impressionné. Parce d'ailleurs, que, tu me dis dans le livre que c'est. On voit d'abord le travail du journaliste, c'est-à-dire que pendant que les gens vont d'un côté, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'autre sens, parce qu'il va aller voir ce qui se passe. C'est une curiosité, je dirais, saine, c'est-à-dire que c'est le métier d'informer les gens, donc de savoir qu'est-ce qui se passe à tel endroit, à tel moment, etc. J'ai entendu parler de plus ou moins un attentat, mais c'est encore vague, on ne sait pas très bien ce qui se passait exactement. Et donc, finalement, tu fais ton. C'est l'AFP qui a donné la première dépêche sur l'attentat, qui a parlé la première fois de l'attentat. Après, il y a cette image donc, du tueur enfin, qui est passé dans ce camion. Ouais. Et ça aussi, enfin, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, c'est quand tu dis, bon, sur le coup, le journaliste, il est dans l'action, tout ça. On a l'impression d'ailleurs que souvent, si on devait pour ça, les journalistes, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'émotion, etc. Et c'est vrai. C'est-à-dire que sur le coup, on est pris par
15 jours après que, ouais, que l'image revient, même on en fait des cauchemars. Mais à côté des journalistes, effectivement, on ne peut pas. Même quand, par exemple, quand on traite le problème des migrants, par exemple ici, on va voir des migrants à Vintimille, des gamins et tout. Bon, on a envie de les. Parfois, on se dit, tiens, il pourra en prendre trois et les ramener parce que bon. Mais bon, en tant que journaliste, il faut réussir à mettre une distance. Là, c'est encore plus fort, parce qu'il y a des morts et tout. On voit on voit des blessés qui sortent. Moi, j'étais au Palais de la Méditerranée, là, donc à ce moment-là, on voit des blessés qui sortent en hurlant, etc. Donc, bon, là, il faut réussir à se blinder, parce que sinon, on ne peut pas faire ce boulot. Et ça, c'est comme ce qui s'est passé donc, ce soir-là. Bon, ouais, après, il y a eu. C'est l'introduction du livre, disons. Là. Il y a eu cette polémique après sur le. Peut-être on en reparlera tout à l'heure si ça vous intéresse, sur la police municipale, la police nationale, le ministère de l'Intérieur, etc. Il y a le procès qui vient d'avoir lieu. Il y a eu l'affaire avec Valls, etc. Et puis il y a eu les déclarations du procureur, du fameux procureur de Paris. Et c'est un peu ça qui a motivé l'écriture du livre. C'est-à-dire que le procureur, dans ses premières déclarations, il dresse tout de suite le portrait. D'un fou, quoi. D'un dément, d'un psychopathe, etc. Et donc, toi, en gros, tu as voulu en savoir un peu plus. Par rapport aussi aux familles de victimes, qu'on sache enfin la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Oui, en fait, moi, je suis parti du procureur, c'est vrai, parce qu'il a fait plusieurs conférences de presse à Nice. François Moulin, c'est vrai. François Moulin, qui était tout à l'heure à Paris, il est de nouveau, il a fait une conférence de presse tout à l'heure pour parler du profil du type qui a fait l'attentat avant-hier. Oui, c'est celui qui a voulu faire un attentat aux Champs-Élysées. Et je suis parti en fait de ce qu'il avait dit, ce procureur, et plus de tout ce que la presse en fait, avait dit dans les jours qui ont suivi l'attentat. Et puis moi, parce que travaillant encore pour, à ce moment-là pour le Figaro et l'AFP, je travaille toujours, mais à ce moment-là je travaillais pour le Figaro et pour l'AFP. Tout ce qu'on avait dit, en fait, la presse, le procureur, j'ai voulu, au bout d'un moment, une fois que c'était un peu retombé, voir effectivement si c'est pas trompé. Si, effectivement, le profil du danseur de salsa, par exemple, qui avait été mis en avant, on a tout de suite dit que ce type qui avait fait l'attentat, c'était un danseur de salsa, qui n'était pas pratiquant, etc. La religion, c'était pas du tout son truc, etc. Donc on avait le profil effectivement un peu d'un, peut-être pas d'un psychopathe, mais enfin pas loin d'un de quelqu'un qui avait quand même vraiment des gros problèmes. Donc j'ai voulu voir effectivement ce qu'il en était vraiment. C'est ça qui a motivé en fait ce livre, essayer de faire une contre-enquête. Ouais. Donc le titre c'est le tueur de la promenade. Et moi il y a deux mots qui m'ont attiré l'attention. C'est le sous-titre, en fait, c'est enquête sur mystification. Donc, enquête et mystification. Alors, l'enquête, c'est l'enquête d'un journaliste. Oui, bah, enquête, contre-enquête. Enquête, voilà. C'est pas une enquête de police. Hein, voilà. La police fait son enquête. Elle fait pas le même métier, ouais. En même temps, oui. Ça se sent bien que c'est une enquête de journaliste, parce que je veux dire juste un mot sur le style du livre. Comme on dit dans le métier, tu tires pas la ligne. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il n'y a pas de graisse dans le bouquin, il y a vraiment c'est vraiment du brut, quoi. Il n'y a que des faits, beaucoup d'anecdotes. Et c'est écrit un peu comme une sorte de reportage. Quoi. Bon, il y a plusieurs chapitres dans le bouquin, mais c'est comme un grand reportage qui est écrit. Donc, je ferme la parenthèse, on va dire, sur le style. Et alors, sur le contenu, donc, il y a la partie enquête. Donc comment est-ce que tu as procédé et est-ce que tu as pu. Donc ce que tu as voulu faire en fait c'est une enquête sur la personnalité de ce tueur. Oui, finalement une enquête de personnalité un peu comme finalement, bon, je ne suis pas non plus enquêteur de justice, mais un peu comme on voit dans les cours d'assises. Oui, il y a des enquêteurs de personnalité. Là j'ai vraiment essayé d'approcher des gens qu'il avait bien connus, en fait, qui avaient vécu avec lui, pour voir d'où il venait. C'était ses motivations. Depuis combien de temps il s'était radicalisé, puisque bon, le procureur avait parlé d'un radicalisé express. Ça m'avait étonné qu'on puisse se radicaliser comme ça en 15 jours. J'en parle après dans le livre, effectivement. Et donc j'ai fait une enquête auprès de différentes personnes. Bon, j'ai commencé bien sûr par la police,
les gens qui, eux, avaient les éléments en main, effectivement. Et après, j'ai élargi, en fait, à la famille. Donc, tu es allé en Tunisie ? Alors non, je ne suis pas allé en Tunisie. J'ai téléphoné en Tunisie. Heureusement, aujourd'hui, on est des... Dans la rue de Msoken. Voilà, alors... Tu dis que je suis allé en Tunisie, on a peut-être l'impression que je suis allé en Tunisie, mais tout est fait d'ici. Et je ne dis pas que je suis allé en Tunisie. Par contre, je me renseigne depuis Nice, en fait, puisque la ville de Msoken... Alors, pour que vous compreniez, le tueur, la promenade, Mohamed Boulel, il était né à Msoken, donc en Tunisie. Et est arrivé en France il y a quelques années, après son mariage avec sa cousine Germaine, qui elle était franco-tunisienne, et donc de cette façon il a pu s'installer en France. Et il semblait important de se rapprocher de sa famille. Donc une partie de sa famille qui était à Nice, puisqu'il a beaucoup de gamayales. Des frères et sœurs à Nice, des tantes, etc. Donc il y avait toute une partie où j'avais pas besoin d'aller en Tunisie, puisqu'il lui vivait en France depuis 10 ans. Et après, j'ai d'abord commencé à téléphoner en fait à la famille, notamment au père. Et pour préparer justement, parce que tu en parles, j'ai pas l'intention d'en parler, mais bon, tu en parlais, il n'y a pas de secret. Je voulais y aller en fait en Tunisie. Mais je voulais être sûr que les premiers journalistes qui sont allés dans la famille ont été un petit peu pas forcément accueillis bien. Quoi. Bon, on peut le comprendre de la part de la famille, des parents notamment, du père, c'est le père que j'ai. Donc j'ai préparé ce déplacement là-bas et bon, finalement, au bout d'un moment, ça n'a pas pu se faire parce que le père, quelque part, m'a mis trop de pression. Quoi. J'ai senti que c'était pas la peine d'y aller. Ça permet d'apprendre, enfin moi j'ai fait du retenu, ça permet d'apprendre deux choses intéressantes. C'est que, un, il a une jeunesse de jeune, il a une jeunesse ordinaire. On n'entend rien, on n'entend rien. Parler, plus fort. Moi aussi, on n'entend pas. Plus fort. Mais si je n'ai pas parlé entre moi. Donc oui, j'ai le volet Msaken, que d'ailleurs on appelle 06, hein, tellement il y a de Tunisiens d'Msaken qui viennent à Nice. Oui, alors voilà, je termine avec ça, la Msaken-Nice, les liens, c'est une ville de Tunisie, donc qui est proche de Sousse et de Monastir. Bon, c'est pas le sujet du livre, hein, le sujet du livre, c'est... La personnalité du gars, mais là on apprend donc qu'il a une jeunesse, ouais. Bon, je dirais pas ordinaire, mais... Oui, il a eu le bac, c'était un bon élève. Voilà. Et puis il y avait une deuxième chose, c'est son père, qui est un militant islamiste, et quand même, il était membre de la NADA, le parti islamiste qui est actuellement au pouvoir islamo-conservateur. Donc il a quand même gagné dans une atmosphère, à la fois c'était un gars qui était réprimé par Ben Ali, mais en même temps qui était engagé. Engagé, pas dans l'islam radical, parce que c'est pas l'islam radical, mais déjà quand même il y avait un bain de culture. Ah, disons que c'est récent. Bon, c'est pour ça que je me suis intéressé à cet aspect, justement ses origines tunisiennes et tunisiennes. Bon, encore une fois, j'ai pu ici à Nice rencontrer des gens, grâce à certains contacts, rencontrer des gens qui venaient de là-bas, etc. Et en allant dans le quartier tunisien, que tout le monde connaît, au-dessus de la gare. Et également, par exemple, ce qu'ils appellent les baraques, qui sont les baraques, je ne sais pas si vous connaissez, route de Grenoble, là, les baraques, où il y a beaucoup de Tunisiens près du foyer, là, ça s'appelle le sous de la Cotra. Donc voilà, donc, j'ai enquêté dans ces quartiers pour un peu voir effectivement à d'où il venait, quelles étaient son fond culturel. Quoi. Et voilà, mais sans faire de stigmatisation, parce que, encore une fois, par exemple, à l'ambassade de Tunisie, là, je me suis heurté, quand je leur ai parlé de Msaken, là, je me suis heurté à des reproches, on stigmatisait les gens, etc., de Msaken. Mais bon, c'est pas le but. Donc, il arrive en France, et alors, enfin, à Nice, ouais. Et apparemment, c'est un gars qui change complètement de personnalité. Enfin, pas un changement complet, mais disons qu'il
Ah, tu disais que son père était un militant, oui, il a été en prison pour ses idées sous le régime de Ben Ali. Mais on ne peut pas dire non plus que c'était. Enfin, il faisait partie du parti d'opposition dans le Canada, effectivement. Mais on ne peut pas dire que le Parti Canada, forcément, ça soit là, vraiment la radicalité totale. Et quand il arrive en France, effectivement, il se retrouve quelque part, alors qu'il avait fait des études supérieures là-bas d'architecture à Monastir, c'était un élève brillant, et bon, il s'est marié.